Bonsoir à tous les amis, on est de retour sur ce plateau d'analyse desk en la compagnie de Twix et Lège. Qu'est-ce que tu regardes, mon chéri? Regarde la chaise à côté de toi. Qu'est-ce qu'elle, elle est vide? Elle est vide. Ouais, ça me déconcentre. Ça te stresse? Attends, regarde. Hop, on l'enlève. Merci. Premier match, TSM versus Curse Gaming. Victoire de TSM. Mm-hmm. Très serrée cette victoire. Très très joli match malgré tout. Beaucoup de throws, beaucoup de comebacks. Intéressant tout de même. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ça, mes bons amis? Eh ben déjà, t'as bien résumé la game. Ah ben oui, dans son ensemble. Je fais TSM, mon problème, monsieur. TSM qui a gagné, donc une victoire au final logique, mais beaucoup plus serrée à ce qu'on attendait tout de même. On a vu deux belles compositions avec d'un côté du un peu full all-in pour un Yasuo, un Kha'Zix pour essayer de mettre full dégâts. Il y a le Lucian qui était là aussi pour justement mettre la dose. Et de l'autre côté, on avait du full bait avec quand même Soraka sur Bjergsen middle Soraka. Lane. Ouais. On le voit rarement, ça. On le voit rarement. Enfin, il a quand même une fâcheuse tendance à jouer les supports middle. Hein, Pentakill avec Karma, Lulu et Soraka. Donc pour le coup, il reste toujours sur sa zone de confort. Mais dans cette game-là, les TSM qui ont été largement en dessous en fait, de ce qu'on attendait, à part au niveau de la phase de lane où là, ça a été quelque chose de... Très classique maintenant, le freeze, etc. C'est bien passé des deux côtés. Mais au niveau des phases de teamfight, c'est un peu désorganisé, c'est un petit peu anarchique. Et puis les Curse, eux, ont une fâcheuse tendance à s'enfoncer dans la moindre faille et à go all-in tout en se foutant limite des conséquences. Le believe, du côté des Curse, on essaye justement d'y croire et peut-être de faire un instant de dépop. Justement, ils ont réussi à remonter dans la game grâce à ces petites actions-là. Alors il faut noter quand même avant le début de la partie, enfin avant de revoir ces replays, qu'il n'y avait pas d'exhaust du côté quand même des TSM. Alors ça, c'était une grosse erreur, ça, tout de même. On a un Kha'Zix en face, on a un Yasuo, on prend un double heal. On joue sans, on essaye de jouer avec uniquement l'armure et le silence. Le silence a porté ses fruits, hein, d'ailleurs, dans un certain teamfight, mais globalement, c'est vrai qu'un exhaust, ça aurait pu faire la différence. Ouais, clairement. C'est la base. Ouais. Un petit exhaust. On va partir pour les replays. On va faire ça, ouais. Le premier replay, il a 14 050, tout à fait. Mais avant tout ça, en fait, il n'y a pas eu grand-chose dans la game. Il y a eu à 6 minutes 30, bien sûr, la tower top qui a été prise. On a compensé avec un Drake du côté du TSM. C'était très classique. Très classique, en base de farming sur les lanes, des calas. Exactement. Etc. On ne va pas vous montrer le First Blood, puisqu'il n'était pas forcément très intéressant. C'était un gang de I Will Dominate sur Abinode Lane, sur Bjergsen, à 10 minutes 25. Et après, c'est à 14 minutes 50, donc il y a le premier team. Et on en a pas mal des replays en plus, donc c'est bon, tu peux envoyer le premier, mon petit Vélan. Donc 14 minutes 50, teamfight sur le Drake, ça va être concrétisé pour les Curse justement, et ça va être un avantage quand même pour les Curse, ce premier finalement teamfight. On va voir le replay avec le téléport qui avait été fait de la part de Dyrus. On voit le flash de la part de Xspecial, le très mauvais grab de sa part. Il pose quand même une box assez bien placée, mais pourtant le teamfight, on a l'impression, et du côté TSM, il y a déjà deux morts qui ont été... qui ont été faites du côté des Curse. On arrive à concrétiser double kill sur un Yasuo. Ça fait un 3 pour 2 au niveau des kills au final avec le Drake récupéré du côté des Curse. C'est le premier vraiment teamfight de la game. Ce teamfight-là aurait dû être normalement un 5-0 pour TSM, mais c'est vrai qu'au niveau du positionnement ici, on a eu Walter Tull qui était beaucoup trop avancé, on a eu Bjergsen qui était sur le flanc gauche, Amazing qui était également avec lui sur le flanc gauche, et Shyvana qui avait téléporté, qui avait all-in directement dans le couloir du golem bleu. Donc du coup, on a eu un teamfight assez éparpillé, ce qui va totalement à l'encontre de la composition TSM. Ils ont joué un teamfight pour la composition des Curse, juste après avoir perdu un dragon, donc c'était hyper serré. Et ils ont quand même eu pas mal de chances que ça se termine sur un 3-2.
On a pu voir effectivement que c'était un petit peu brouillon. X-Special, tiens. Parlons un petit peu d'X-Special avant de lancer, parce qu'on en a beaucoup parlé pendant qu'on regardait le match avec, avec Lège. Qu'est-ce qui s'est passé? Beaucoup de misplays quand même. Il a pression parce qu'il jouait face à ses anciens coéquipiers. Un petit peu de haine, j'ai envie de dire. On va dire qu'il n'a pas été exceptionnel dans la game. Il n'a pas fait de bon grabs, il n'a pas fait grand-chose, on va dire, d'exceptionnel. Il y en a eu quelques-uns qui étaient pas mal. En early, il n'a pas été terrible. Après, ça a été plutôt pas mal, on a pu voir. Après, il a allongé la game de 15 minutes tout seul, en fait, avec ses grabs sur Twitch. Donc du coup, il en a mis 3 quand même. Il a pas fait, au niveau topside, etc. Enfin, il a réussi à stall pas mal de choses. La game aurait été beaucoup moins longue sans X-Special, mais on voit qu'il a quand même, il est très 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 enragé. On a vu à la fin Wild Turtle qui essaye de lui faire un câlin. Et il a refusé. Et là, il est pas très câlin, il a complètement deny en fait. Le Freehug, lui, dit non en convention. On va continuer tout de suite les replays parce qu'on en a beaucoup à faire et que la game ne va pas tarder à commencer, les amis, avec 21 minutes 5. Je n'ai pas d'annotation. Ouais, alors 21:05, en fait, on a déjà un avantage quand même du côté des TSM. 18 minutes 46. Donc là, on est un petit peu en retard. Voilà, donc 21:05, ça va être après le Drake qui va être pris du côté des Curse. Et regardez justement, on s'est fait choper du côté des Curse dans cette jungle, juste après le Drake qui avait été fait. Glib qui met un très très bel ulti. Et là justement, on joue la composition du côté des TSM. On est tous ensemble. Nous avons la Soraka middle au milieu, vraiment, qui est en train de debuff la résistance magique de tout le monde. Il y a les dégâts magiques qui sont en train de se réaliser. On va enchaîner sur un Nashor du côté des TSM. C'est un très bon move de leur côté. C'est là vraiment où la game prend un avantage conséquent pour la team Solomin. On va être à plus de 7000 gold d'avance après justement ce Nashor. Et on va réussir à parler de ça, on voit l'initiation de la part de Glib, c'est son premier plays, on va dire, individuel. Certes, le Chandron, ça n'a pas été ultime, mais ça a permis de spread. Par contre, au niveau du route, là, on a eu quand même du double hit dans un couloir. Donc forcément, là, on voit des étoiles qui tombent un petit peu de partout. Shyvana qui fait énormément de DPS, de damage à eux. Et bien entendu, on a vu le positionnement de Wild Turtle en bas du couloir, prêt à full DPS. Même s'il a loupé quelques frames d'auto-attaque, etc., c'était un petit peu... Comme on l'a vu, ça courait dans tous les sens. C'est vrai qu'on n'a absolument pas compris ce qui s'est passé. Ils ont pris cette zone en plein milieu, d'en bloquer dans un couloir, c'était fini. Ils ont été dans un couloir. Ouais, c'est chacun pour tout, chacun pour sa gueule. On va continuer les replays, 28 minutes 08. Qu'est-ce qui se passe? Alors là, depuis à peu près 6 minutes, il y a eu un avantage qui s'est concrétisé tout simplement du côté des TSM. On a pris un Drake, on a pris un trade plutôt worth it puisqu'on avait overcommit du côté des Curse. Et là, il va y avoir un bon grab, voilà, de la part de X-Special, et qui va permettre le premier throw, en fait, du côté des TSM. Puisque cette game, en fait, était à l'avantage des TSM, devait être gagnée plutôt facilement. Et les TSM vont commencer à throw cette partie avec un premier grab, un deuxième de la part de X-Special. On va réussir à prendre le Nashor puisqu'il avait été réinitialisé, etc. Ça faisait longtemps qu'il avait été fait du côté des TSM, et donc du coup on va revenir complètement dans la game du côté des CRS. Ça va faire le premier comeback de la game. Bon petit 3-0 histoire de revenir un peu dans cette game. Mais au niveau du throw, on peut pas être aussi sévère, c'est pas vraiment un throw. Il y a une pink ward qui est posée sur l'angle pour avoir justement l'initiation de Twitch. Il y a un grab qui se met dessus, initiation, le carry AD qui meurt instant. Il peut pas faire grand chose, il avait pas la vision sur le side. Ouais, il aurait dû avoir la vision parce qu'ils avaient 7000 gold d'écart. Il aurait dû avoir la vision. C'est tout. Ils avaient pas wardé leur jungle sur le throw, mais qui est pardonnable, entre guillemets. Non. Pour moi, ils auraient dû warder la jungle, etc. Il est intransigeant. Ils auraient dû warder. Ils ont raison. Normalement, la transition aurait dû être wardée depuis bien longtemps. Ils ont une telle avance dans la game. Ils ont tellement la possession de la map que... D'autant plus que le Nash étant là, il fallait préparer l'objectif. Pourquoi on n'a pas une ward aussi avancée? Ils ont une telle avance, c'est Curse, ils ont no care. C'est tout. Voilà. C'est bien fait. Le believe. C'est ça. Comme tu dis, c'est le believe. C'est exactement ça. On en est à, si je ne dis pas de bêtises, non, on a fait le 35. 35-47. On l'a pas fait le 35. 35-47. 35-47, ça fait donc 7 minutes depuis le dernier, Nashor. On a eu deux nouvelles tours qui ont été prises par les Curse. On a eu un nouveau Drake aussi. Et donc, du coup, au niveau de l'écart de goal, eh bien, il s'est minimisé tout de même. On était à quasiment 4000. On a un nouveau grab de la part de X-Special. C'est justement ce fight que je voulais vous montrer. On a une initiation de la part de Glib. On se dit, c'est bien joué du côté des DSM, mais au final, X-Special ne meurt pas. Et on a claqué quelques CD tout de même. On a maintenant Voidboy qui vient dans la mêlée, qui arrive à ulti Bjergsen directement, un nouveau grab qui se met directement sur Bjergsen, et pourtant il ne meurt pas directement. Donc du coup, le teamfight est vraiment à l'avantage des TSM qui étaient bien regroupés. Et justement, ils ont joué leur composition encore une fois, X-Special qui loupe ce dernier grab, un petit peu dommage parce que ça aurait pu permettre justement de tuer Dairus. L'initiation d'X-Special, c'est vraiment une très très grosse erreur ici de vouloir mettre un grab mono-cible sur une Shyvana et d'essayer de linker tout ça avec une box, avec son ultime, qui a été raté. Bah, il a justement balancé son ulti en fait dans le vide, et du coup ensuite
ensuite l'engage, bah, ça a été totalement chaotique. Bien sûr, on a vu... Et il doit pas, en fait, pour moi, Teamfight, à cet endroit-là de la game, en 5v5, de cette façon, ils doivent essayer de prendre par surprise... Ils ont aucun contrôle sur Twitch dans ce genre de format-là, donc... On a vu ces coéquipiers se sont littéralement split au moment de l'engage. Hop, qu'est-ce qui se passe? Tu arrêtes tes conneries, là? Ils ont raison de se split d'un côté, mais... Vu la compo de la team adverse, ils restent groupés, ils sont pas bien. De l'autre, c'est... Ils ont raison de se split, mais pas entièrement. Ils se split pour éviter, bien sûr, les dégâts, mais ils doivent être regroupés au début pour pouvoir instant kill une personne. Autrement, c'est pas possible. Et ils doivent split la team adverse. De split la team adverse, c'est ça. Non, d'accord. Prochain replay. Il y en a plus que deux, mon cher Artem. 46 minutes. Ne t'inquiète pas. 46 minutes. Non, alors là, on fait un saut dans le temps tout de même. Ça fait 10 minutes depuis le dernier replay. Encore un nouveau teamfight. Avait encore un grab. On a eu un dépop de la part de White Turtle, hein, que vous avez vu. Il y a eu Quas, il y a eu I Will Dominate et il y a eu Cobb qui était dessus. Et là, c'est un teamfight encore une fois du côté des Curse, alors qu'on avait un avantage du côté des TSM. Ils étaient bien revenus dans la game. Et donc, du coup, c'est une très belle initiation cette fois-ci tout de même de la part des Curse et un mauvais placement quand même de la part de White Turtle. Et c'est le nouveau comeback. Voilà. C'est le nouveau comeback. Ça a donné une fois de plus, on s'est dit peut-être que ça peut passer. Pour moi, c'est pas vraiment une initiation. Ici, on voit clairement que White Turtle a fait un fail flash en fait, un fail flash monstrueux. Au lieu de flasher en arrière, il a flashé en avant. Je sais pas si on peut remettre le replay justement. Messieurs, je vais juste me permettre de vous interrompre. On voit qu'au niveau du lobby, on est déjà dans la phase. Ouais, on a plus qu'un replay. On fait replay, on fait le petit dernier. On fait le petit dernier. On met le dernier. 51 minutes, les amis. Attends, vas-y, refais le flash. Tu veux le flash? Non, c'est bon. 51 minutes. 51 minutes. Allez, balance vite, comme ça on les laisse installer après. Et après, donc, dernier teamfight décisif, c'est de toute façon tout simplement la fin de la game. Les TSM qui clôt la partie sur la dernière tour. Inhibiteur sera T3, alors qu'il y avait eu une belle engage, hein, puisque I Will Dominate avait des pubs, si je me rappelle bien, justement. Donc, du coup, on était en 5v4 directement, sans carrière d'adverse. On se disait que c'était plutôt bien parti, et au final, pas du tout. On a surtout eu un putain de grave, encore une fois, de la part de X-Special, une fois de plus. Mais là, au niveau de la conclusion, elle se fait, on va dire, quasiment à l'arrache. Mais bon, on va dire qu'à ce stade-là, c'est vrai que... Regardez justement le dépop de la part des joueurs Curse, avec un superbe grave de la part de X-Special. On est en 4v3 actuellement, mais on n'arrive plus à DPS, justement. On va avoir Kha'Zix qui va mourir. Ça va être assez dérangeant dans Kha'Zix, ce qui n'est pas encore mort justement. On essaye de se replier, hein, du côté des Curse. On est en 3v3 maintenant, mais Cop est en train de se faire full focus. C'est plus possible, il s'est fait ralentir de la part des deux Riley, etc. Enfin, il est trop dans la panade. Là, il n'y a plus de dégâts. Et puis enfin, pour conclure, il y a un autre teamfight qu'on n'a pas le temps de voir ici, mais qui est quand même hyper important. C'est cette fameuse initiation au flash-in de la part de Voyboy. Il fait un très bon move ici, il arrive à dash sur les creeps, il arrive à flash-in, il n'a qu'une personne. Il n'a qu'une personne, il essaye de link avec son ulti par-dessus, mais il se fait silence instantanément par Birchen. Qui pop, qui dépop et tout. Ce qui fait qu'il reste en plein milieu de l'équipe adverse et qu'il meurt, et que du coup il y a un autre tournoi de situation, autre baron pour TSM, ce qui donne lieu à cette situation. Il se fait dépop le GA, je crois, que sur cette action, et justement en fait, il revient et il peut rien faire parce qu'il a pas stacké sa tornade. Rien du tout, il a rien. Surtout, c'était pas un frontliner. Il s'est pris un silence incroyable de la part de Bjergsen, vraiment. Il s'est pris un silence au moment précis où il y a les cibles qui sont en l'air et il a juste appuyé sur R. Et là, il peut plus. Et c'est vraiment, enfin, sans ce silence-là, ça aurait très bien pu être a bien joué. Inhibiteur pour les Curse. Messieurs, je vous laisse filer, vous installer, parce que là, on est déjà bien avancé. On peut voir qu'il y a déjà eu pas mal de ban. On a du Kassadin qui pique du côté de Complexity. On a aussi un Kha'Zix ainsi qu'un Lucian. Du côté LMQ, on a Shyvana, Thresh ainsi que Warwick. Messieurs, passez une excellente game. Vous aussi, les viewers, je vous rappelle que vous pouvez réagir à tout ça sur le hashtag Eclipsia. Petite game Complexity versus LMQ, shootcasté par Twix et Lège. A tout de suite. Merci mon cher Arte, on y est. Deuxième partie de cette deuxième journée de ce deuxième continent de LCSNA. Ça fait beaucoup de ce deuxième split de cette deuxième année de LCS. Oui mon gars, exactement. On est sous le numéro 2 ici, Complexity sur le flanc gauche, nouvelle équipe qui vient de s'ajouter au roster, mais également les LMQ, équipe chinoise, formation chinoise qui est présente bien sûr sur la scène Challenger depuis pas mal de temps maintenant, mais qui vient de faire son entrée en LCS 2-0. Ce sont eux qui ont la première place actuellement. Piqué ban, Kassadin first pick du côté des Complexity, Nidalee, Leblanc, Jax de ban pour ces derniers, et enfin du côté des LMQ, du ban basique, Ziggs, Lee Sin, Morgana, rien de ciblé. On essaie de jouer la game en entier et on a un
pic très intéressant de Twitch en 4ème position. En 4ème position, justement, pour le Twitch, on avait appris le Lucien hein, du comté des Complexity, les LMQ qui nous ont impressionnés, bien sûr, lors de la première journée, qui devraient normalement partir en favori, bien sûr, dans cette game 2-0. Donc, comme tu le disais, Twix, avec une game qui a été gagnée contre les CLG, tout de même, il faut le préciser. Voilà, une grosse surprise. Non, mais par contre, une bonne surprise hein, pour cette jeune formation, bien sûr, chinoise. Une belle game, une bonne perf. L'autre équipe contre laquelle ils ont gagné, ce sont les Evil Geniuses. Là, c'était plus attendu, bien évidemment. Mais ils ont quand même eu pas mal de mal lors de ce premier match hier soir. Robert Exley et Budabub, que vous voyez actuellement sur vos écrans, sur les deux derniers pics de la composition Complexity. Il reste le top, il reste le support. Léona toujours up, Morgana toujours... Morgana toujours ban ici. Et on a le Ziggs hein, qui a été ban du côté de LMQ. Alors, c'est pas forcément un target ban, mais Proly, c'est un de ses main picks, vraiment. Il en a joué quand même beaucoup durant aussi les Promotion Series. Et on a un Malphite qui va sortir apparemment sur la top lane du côté de Westrise. On a la composition Kassadin Malphite hein, pour essayer de dépop bien sûr le carry AD en face. On se rappelle de cette composition. En plus, on aura un autre jump dans la composition. C'est Broken Jarrard sur le Kha'Zix. Donc le Twitch, il va falloir qu'il fasse très attention à lui. Hein. Ouais, le Twitch, il va faire attention, mais le Twitch, il n'a plus de silence. Il n'y a plus de silence en fait sur Kassadin. Ah, je suis bien d'accord avec toi, mais le Malphite, quand même, avec le stun, ça reste tout de même assez impressionnant. Ça se flash out. Ça se flash out. Ça se flash out. C'est sûr. Maintenant, ça peut se flash out. Avant, avec le combo Kassadin, bien sûr, avec le silence, c'était fin du game. Mais là, pour le coup, je vois pas réellement la synergie entre le pic ici apparemment de Westrise et la suite de la game. Le focus sur Twitch doit être violent, doit être fait. Et il va être fait, seulement ça ne va pas suffire pour terminer tout ça. Et certainement pas avec cette Soraka qui permettra normalement ça, à Vasily bon de pouvoir tenir tout le long de la game. Mais Lulu est également un excellent pic oui, ici oui, et conviendrait mieux, je pense, à Ziawezio. On a deux supports qui ont été préférés hein, du côté des LMQ au niveau de la sélection des champions sur un middle lane. Soraka ou Lulu? Plutôt Soraka. Donc du côté de Xiao, ouais, Xiao en aura une Elise dans la jungle. On aura un Thresh sur mort. On aura un Shyvana sur la top lane. Encore une fois, une composition avec pas mal de dégâts magiques. On reste un petit peu dans la même idée, bien sûr, que dans la composition précédente avec les TSM. Du côté des complexités, c'est complètement différent. On a le Kassadin sur un middle lane. Du côté de Proly, on a donc le Malphite. On a donc ce genre de synergie. Et on a aussi la Zira qui revient de plus en plus, hein. On l'a vu dans la game précédente justement, on pourrait voir une certaine synergie bien sûr entre les deux ultis à OE, hein, bien sûr, Malphite, Zira, histoire de bump tout ça, mais à mon avis ça sera assez compliqué de le sortir tout de même. Du côté des LMQ, on a exactement la même composition que les TSM à un pic près. Ouais. Alors c'est lequel? C'est Thresh. C'est Thresh, voilà justement. Et la Zira est en face pour le coup, donc la composition qui a prouvé son efficacité mais qui a prouvé... qui a montré pas mal de faiblesses aussi, mais les forces des complexités sont pas les mêmes forces que l'équipe Curse tout à l'heure. C'est pas une équipe d'assassins qu'ils ont ici, c'est une équipe qui a pas vraiment de sens au final au niveau de leur propre composition. Tu trouves vraiment que la synergie donc avec Kassadin, Malphite et le Kha'Zix qui est là maintenant, qui peut jumper, qui peut se rendre invisible, qui peut être un peu plus sneaky, ouais, justement, et pas tout trouver pour tuer un Twitch? Non, je trouve pas. Je trouve vraiment pas. Malphite pour moi c'est beaucoup trop all-in, c'est plus un debuff attack speed, à part s'il part AP, ça peut se passer, mais faut pas oublier que là on est dans une game où il va y avoir du swap de lane normalement, et donc c'est un Malphite qui va pas avoir de farm, donc qui va pas vraiment avoir d'impact. Le Malphite justement en swap de lane, il va aller dans la jungle, etc. Comment ça se passe? Est-ce que c'est aussi efficace qu'avec un autre solo laner? Ça dépend des runes, mais ça auto-attaque, ça a un cleave via le Z, ça a un ground slam qui réduit l'attack speed. En tout cas, le 2v2, il est perdu. Le passif. Le 2v2, il est assez chaud. Il est très, 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 très chaud. Il y a une Elise ici, donc il est majoritairement perdu, effectivement. Ouais, ça va être compliqué. On a quoi du côté de la top lane? Du côté des LMQ, on a une Shyvana, encore une fois, Darius nous avait fait une très belle partie hein, la game précédente. On a double dégâts magiques en pourcentage. Très tranquille. Voilà, comme tu le disais, Elise, Shyvana, c'était la même composition qu'on a vu dans la game précédente. Deuxième game de cette journée, de cette deuxième journée de Super Week NA. J'espère que vous allez bien, en tout cas sur la Eclipsia TV. J'espère que vous êtes bien réveillés. Il est quelle heure? Il est 22h41. J'espère que vous n'êtes pas prêts pour aller dormir, puisque nous avons encore 4 matchs aujourd'hui. Nous avons 6 matchs au total. Nous regardons les starter items pour ce début de partie. Nous regardons bien sûr les formations utilisées pour ce début de game. Apparemment, ça va être du 4-4-2. Tout le monde se sépare bien sûr sur une entrée de jungle. Du côté des starters, nous avons deux fioles, Malphite et Kassadin, un starter utility, hein, puisque nous avons le Michoko du côté du Malphite. Nous avons une épée de Doran sur la Shyvana, évidemment. Si c'est spotted, les LMQ vont vouloir initier immédiatement un swap de lane pour punir justement. Mais... Ah Vas-y, dis-le.
Excusez-moi, égalisation de Ramos à la 93e, finale de la Ligue des Champions évidemment, Atlético Madrid contre le Real de Madrid. Je suis très déçu de ne pas regarder cette game, mais ce n'est pas grave puisque nous sommes ensemble pour les LCSNA. Égalisation donc, un partout, prolongation et péno en attente. Excusez-moi, je suis excité. Alors, LMQ, Complexity, 0-0, 1 minute 12 de jeu, une late invade apparemment du côté d'LMQ. Late, entre guillemets, c'est toujours la même invade depuis en fait ce changement de metagame, bien sûr, avec les trinkets à 30 secondes, etc., que l'on voit. Généralement, on va justement dans le buff bleu opposé, on va poser deux wards, deux trinkets, ou une ward justement pour avoir la vision après sur la jungle adverse, et on prend possession de la top jungle alors que l'équipe adverse prend possession de la basse jungle. Là, sur ce coup-ci, LMQ décide de partir complètement différemment puisqu'on est sur la bottom lane et on ne swap pas de lane. C'est très bizarre justement étant donné qu'on était, comme tu le disais, face à un Malphite. C'est complètement incompréhensible pour moi qu'il n'y ait pas de swap de lane d'initié ici puisque Malphite aurait tellement souffert de ce format-là que ça en serait devenu extrêmement problématique. Ne penses-tu pas justement que les Complexity et LMQ étaient dans un jeu un petit peu de brain? Ils n'avaient pas forcément vu le Malphite, ils sont en train de se dire ouais, peut-être il est bottom, etc. Ils l'ont vu le Malphite puisqu'il était sur le side bush top et Shyvana était juste devant, il l'avait déjà spotted. Mais j'imagine qu'il compte plus sur le farm et l'efficacité de Ackerman comparé à l'efficacité éventuelle de Westrice sur son Malphite. Après tout, Malphite aura du farm, certes, mais Shyvana va en avoir. Oui. Et puis, bon, c'est pas le même délire, je pense. Pro League contre Xiao Wei Xiao, ça change dans les matchs précédents, évidemment, mais ne vous inquiétez pas, avec son Outdoran, avec ses popos, Xiao Wei Xiao, il va pouvoir normalement poké assez assidûment un Pro League qui est déjà à 40% mana, les Q-spells qui s'enchaînent bien sûr du côté du joueur LMQ, du côté de Xiao Wei Xiao qui est passé level 2 maintenant. Level 2 du côté de Pro League, on a skillé le Z, évidemment du côté de la Soraka. Bottom line, il pourrait se passer des choses avec un Thresh, avec une Zira justement, un mauvais engage, un bon engage, on a une Ignite des deux côtés, ça peut kill facilement non? C'est des kill lane d'un côté comme de l'autre, mais ça va être assez compliqué quand même de concrétiser la moindre action. Il va falloir attendre l'intervention des junglers ici, puisque dans ce format de push, bien évidemment, les opportunités de grab sont infimes, voire quasiment inexistantes, particulièrement avec les plantes qui sont là pour zoner toutes les trajectoires de skill shot ici. Mais ça dépend de ce que veulent faire les junglers ici. On voit que Broken Shard, plutôt vers la middle lane apparemment. Ouais, 3 minutes 20, c'est le gant sur un Soraka. Encore une fois, on avait vu quasiment le même gank, même s'il était 6 minutes plus tard dans la game précédente. Attention, on a la Elise qui est sous la tower des LMQ, toujours en train, bien sûr, de zoner vers cette middle lane, puisque ils savent, les LMQ, que la Soraka va se faire gank dans les premiers niveaux, dans les premières minutes de la partie. Attention justement, le petit Z, non, plutôt le sort d'invocateur directement du côté de Xiao Wei Xiao. C'est un petit peu dommage d'avoir claqué ce sort. Je trouve pas, parce que ça lui permet quand même de garder suffisamment de mana en fait pour pouvoir gérer son debuff sous la tour. Okay. Le summoner spell ici, vu que ça purge plus les ignites finalement, ça lui posera. Enfin, il n'a pas besoin de garder son summoner spell ici pour suivre un burst ignite, puisque de toute façon il ne survivra pas si. Oh wow, Ackerman qui a tenté bien sûr l'agression sur Westrive. Vous avez vu le beau flash tout de même avec le qui avait été posé avec le Q-spell, évidemment pour faire plus de dégâts. Attention, mort qui part à l'offensive. Vasily qui se fait récupérer avec une petite lanterne. Robert Xli qui a pris énormément de dégâts avec le poison de Twitch. Et disons, grosse agression sur un top lane tout de même. On a eu les balls hein, du côté d'Ackerman. On a eu énormément de balls, mais bon, c'est flash pour flash, donc du coup c'est plutôt rentable. Bien sûr, ici le cocon qui passe directement sur Proly. Un flash out ici, la suspension, le Q-spell. On s'est remis en format humanoïde un petit peu bizarrement. Un petit peu bizarre alors qu'on aurait pu avoir le CD bien sûr, puisqu'il est assez court hein, sur le Q-spell en format araignée de la part de la Elise. Oh là, Vasily qui prend l'agression. Vous voyez Boudaboub hein, qui essaye de défendre son carry AD. C'est compliqué pour Robert Xli actuellement, mais sans avantage de CS, la duo bot Complexity. Et ils arrivent plus ou moins à trade actuellement, ce Vasily. Oh, très jolie transition. Le grab qui ne passera pas, la plante qui touche, le ça play. C'est très beau. Le ça, play, c'est très n'importe beau. Quoi de la part de mort, et il va mourir. C'est le first blood. Le first blood pour Boudaboub avec la petite auto-attaque. Vous avez vu qu'il y a peut-être tout changé, bien sûr, de la part du sbire caster. Il y avait l'Ignac qui est en train de ticoter. Ça fait le first blood du côté des Complexity. On pouvait ne pas s'attendre à ça, bien sûr, hein, parce que là c'était assez étrange. 400 gold d'avance du côté des Complexity avec une avance du côté des CS, hein, du côté de cette paire bottom lane. Kha'Zix qui est en train de se diriger justement bottom. Il y a la Elise qui s'y trouve aussi. Elle est sur son gros race actuellement. Attention, le route qui n'est pas passé. Et nous avons le Kha'Zix qui va découvrir. Voilà, là, Elise, Broken Shard, qui était un petit peu tunnel vision, comme vous avez pu le constater. Robert Xli qui va mourir, évidemment. Vasily, et Vasily qui ne meurt pas. Il a réussi à se fuir. Oh très beau Q-spell, très, très bon. Mindfuck de la part de Vasily. Le carré des LMQ, ça fait du 1 pour 1 au final. Trop de grid du côté des Complexity sur cette action. Hein.
assez grideux quand même les complexités. Ils essayent de snowball leur partie oui, on directement, les mais on peut comprendre la stratégie all-in ici, mais c'est pas à leur avantage de partir sur des trucs comme ça, enfin aussi tête brûlée, je pense. Ils se font peut-être pas assez confiance finalement. On va revoir l'action au ralenti. Broken Shard qui va complètement en ligne. Très joli cocon de la part de Nonem, bien entendu. Robert Xli, le soin qui touche deux cibles. Oh, ouais. Le Z. Oh, Broken Shard! Mon dieu! Il a Gumball. Il a Gumball. Il pensait que Twitch l'avait retraversé. C'était. Ouais, enfin, il aurait pu mettre le Z directement. Enfin, il aurait pu mettre le Z directement. Enfin, bref. Un petit peu dommage quand même de la part de Broken Shard. Et on aurait pu s'imaginer bien sûr qu'il aurait pu tuer le Twitch hein. À ce moment-là de la game. Ouais, mais j'ai perdu le son moi en fait dans mon casque. Bah, prends mon casque, mon gars, parce que. No Name, donc level 5, en train d'invade dans la jungle. Malphite, tout seul. 40 CS, top lane, 43 du côté de la Chimena. C'est plutôt équitable au final. Ah, du côté des solo laners, on est level 6 du côté de Proly. On est level 6 du côté de Xiao et Xiao. Donc, du coup, aussi, les gangs vont être un peu plus difficiles du coup sur ce Kassadin. Mais on n'oublie pas, bien sûr, le silence hein, de la part de la Soraka. Le silence de la Soraka qui va poser énormément de problèmes et qui rend Kassadin, bien sûr, toujours vulnérable à d'éventuels gangs. S'il y a une bonne rotation de CC, silence plus cocon. Il n'est pas suffisamment tanky encore pour pouvoir prétendre à la survie ultime. Mais Proly qui joue quand même assez prudemment. Il est en route pour son. Oh, attention, le grab ici sur Bouba double. Flay en reversal. Oh, le route qui n'est pas passé. Vassili qui lui porte son focus sur Robert Xli. Support contre support. AD contre AD. Et c'est globalement les LMQ qui remportent le trade. On voit un back de la part de Malphite. Ah, bien le joué de la part de Broker. Et enfin Malphite qui va revenir avec son téléporte. Mais qui manque quand même gravement à l'appel sur ce buff bleu. Mais c'est pas grave, Broken Shard a réussi à le smite justement et il l'a récupéré, donc du coup le buff bleu est récupéré du côté des complexity. On est à 1-1 au niveau des kills, égalité au niveau des golds. Et la bottom lane qui n'avait pas back hein, du côté de Robert Xli, il avait écho pour justement recall pour sa BF. Donc du coup là maintenant les trades avantage plutôt call. On va voir s'ils ont le temps le back, les LMQ c'est pas garanti. Bien sûr. Vrai. Si bien entendu on a Boobadoob qui arrive à faire suffisamment de dépush. Ah, s'il arrive à passer le level 6, il peut très bien. Ça peut bien se passer du côté des complexités. Ça peut bait, ça. Attention, mort. Ouh, c'était chaud. Justement, mort qui avait réussi à grab l'Azira. Mais c'était dans une situation plutôt compliquée. Ah, on voit ici Broken Shard qui refresh son red buff. On est sur la deuxième rotation de la jungle. Toujours pas de contestation au niveau du dragon. Toujours même pas encore de ward ou de guerre de map control. Le map control qui d'ailleurs est extrêmement faible du côté des deux formations ici. Puisqu'ils n'ont tout simplement que deux wards. Trois wards maintenant. Trois wards sont présentes sur la map. Quatre wards viennent de pop. Et maintenant on a les dernières. C'est principalement des wards de lane finalement. On n'essaye pas vraiment de prendre le map control. Et enfin Boobadoob qui arrive à prendre le map control au niveau du dragon Robert Xli qui pourrait DPS de manière un peu plus efficace quand même cette tour. Il a pas envie, j'ai l'impression. Il a pas envie de faire sa rotation avec son passif et gratter un petit peu c'est de HP. C'est un peu bizarre tout de même, hein. Je dois t'avouer. Allez, le buff bleu du côté de Xiao. On n'a pas le buff bleu du côté de Proly évidemment. On était parti le counter du côté de la compétition chinoise. Le Malphite qui nous a acheté une Giant Belt tranquille sur sa top lane actuellement, Westrice. On attend bien sûr que la synergie s'opère du côté des complexités et qu'ils nous surprennent bien sûr avec leur composition qui viennent de sortir. Attention sur un middle lane, la Soraka qui va peut-être se faire gank justement de la part de Broken Shard avec son Kha'Zix. Et il va peut-être redescendre sur un bottom lane. Ça a été ping justement le bush bottom du côté des LMQ. Il n'y a pas de ward dans la river du côté de mort justement. On a une petite pink ward ici. Attention, mort qui se fait prendre la partie. On a une belle lanterne justement pour Noname qui est venu aider sa bottom lane. Broken Shard qui a assez l'OHP. Nous avons Vassili qui est en train de mettre énormément de dégâts. Vassili qui arrive à prendre le kill justement. Peut-être un deuxième avec l'éthique du poison. Ça va être un petit peu trop compliqué. Broken Shard qui restait dans le bush. Vraiment de grosses balls ce joueur. Puisqu'ils étaient quand même deux hein, à être dans la jungle ennemie. Bien joué de la part des LMQ. Ils attendaient Kassadin comme le Messi, il n'est jamais arrivé malheureusement. Mais oui, bien joué de la part des LMQ. Très belle initiation réalisée par la formation chinoise Proly qui quand même joue un petit peu avec le feu. Le smite steal va être très compliqué à faire tout de même pour Broken Shard. Et il ne l'a pas tenté, fort heureusement. Maintenant, nous sommes quand même à un dragon à zéro. Et l'avantage en gold commence doucement, certes, mais il commence quand même à se creuser en la faveur des LMQ. Ah, 1600 gold à la 10ème, c'est bien. Ça va. Ah, c'est très bien. C'est plutôt... Allez, on regarde le replay puisqu'il s'est passé des choses. Oui, sur un top lane, vous avez vu, hein, Westrice qui a voulu aider son équipe hein, tout à l'heure. Et il s'est fait complètement jambon de la part de Ackerman. Ackerman qui a donc 200 secondes d'avance, hein, tout simplement, par rapport au Soul Laner en face. Et je rajouterais même qu'il doit avoir
200 secondes, 180 secondes étant donné qu'il est en Mastery Utility, il doit avoir les 10% de sort d'invocateur, donc du coup le téléport. Pas sûr. À 180. Ah oh, bah j'imagine. Pas sûr. J'imagine. Je pense qu'ils jouent plutôt avec de la mana régène. Régène mana. Ouais. Je pense qu'ils font plutôt ça maintenant. Parce que 10% c'est. Ça a pas une énorme valeur sur un sur un cooldown comme ça. Et puis surtout sur sa phase de lane, ça risque de l'aider un petit peu. Mais au final, sur sa phase de lane, ça l'aide pas du tout. À 10% sur le TP, 10% sur le flash aussi. 10% sur le flash, c'est faut, pas faux. Faut pas l'oublier non plus. Allez, on va sûrement se faire une Sunfire hein, du côté des West Rise, justement sur cette top lane. Ackerman qui est très très bien, justement qui est en train de la gagner. Ah, le bet est bon, hein. Le bet est très très bon. Oui. Les MQ ici qui sont pas partis sur swap de lane, sachant que cette Shyvana serait plus utile que ce Malphite. Et ils se sont pas gourés du tout sur le call. Déjà, on a un outfarm pas énorme quand même. Hein. On peut souligner la bonne performance de West Rise au niveau de son CSing. Il doit avoir quelques runes AD en rouge comme à la week-end, on va dire ça comme ça. Quand il est parti sur Giant's Belt First, et j'imagine que ce sera une Sunfire. Ah, très bon le play. Grab, superbement interrompu par la plante de Zira, bien entendu. Alors, est-ce que c'était fait exprès ou non? Là, c'était complètement fait exprès. C'était fait exprès sur ce coup-ci de la part de Boudaboub. Eh bien, bravo, la moustache, d'avoir sauvé le carré AD parce que le Q-Spell, il était bien parti. Et c'était normalement dans la gueule de Robert Xley. Les NQ qui sont toujours aussi dangereux, bien sûr, sur cette bottom lane. Ils le seront encore plus quand la BRK de Twitch, justement, sera achetée. Une petite agression de la part de Proly. Assez tranquille, évidemment. Xiao est complètement haut, mais donc ne peut plus trade back. Oh, le fail avec le flash lanterne de la part de Mort. Ça va quand même être concrétisé au niveau des LMQ, normalement, puisque Ackerman voilà, réussit à téléporter. Oh, le Q-spell qui a été cancel par la furtivité de Broken Shard ici. On voit le Gal par contre de Proly qui se fait immédiatement focus par le Flay. Vassili qui est sous Inna. Vassili qui veut tendre de la Steel sur les cryptes. Vassili qui arrive à survivre néanmoins. Et le téléporte bien sûr de Ackerman. Et c'est le carnage total. Triple kill. La brûlant, c'est quasiment ace ici pour la team LMQ. Plus la T1 bottom lane, plus le dragon auparavant. Le snowball est bel et bien lancé. Et là, il va falloir un miracle pour les complices. Allez, on renvoie ça juste avant. Vous avez vu la lanterne, hein? Quel fail quand même. Petit bug de la part de No Name. On a eu un ulti de la part de Boudaboub qui n'a touché qu'une seule personne. Il prend énormément de dégâts, comme vous avez pu le constater. Il n'a pas pris la cage tout de même. La box de la part de Thresh. Très bon TP de la part de Ackerman. No Name qui n'arrivera pas à mettre son cocon. Ça, c'est pas très grave. On a Proly qui est en train d'arriver, qui ne réussira à rien faire. Vassili qui arrive à lifesteal justement sur les derniers sbires. Proly qui meurt comme un seul, tout simplement. Puis après, c'est le dépop, hein. Le triple kill directement pour cette Shyvana qui va revenir maintenant, mais avec une force incroyable. Une force incroyable ici, Proly qui s'est complètement jeté à la one again et beast to fly. J'ai l'impression qu'il a totalement pété un plomb en fait dans le trade ici, parce que il était persuadé au moment précis où il allait arriver sur Twitch qu'il allait mourir ou s'envoler, oui, voilà. Ou je sais pas trop quoi en fait. Il allait exploser et qu'il allait avoir ton of damage, etc. Du coup il était extrêmement avec sa fiole. Il avait même pas de catalyste, enfin c'était tiens je te balance une flasque à la gueule. Ouais. Cassadin c'est beaucoup plus diesel qu'avant. Attention ici, ultime Malphite est utilisé sur Ackerman qui flash out. C'est du 3v1 malheureusement. Oh, la lanterne va suffire. Et allez, à plus! On était 3! Oh, et ben tant pis, on n'a même pas réussi à faire un kill. Boudaboub qui avait même décalé sur la top lane. Le sang-froid total, il s'est arrêté. Il a stop. Il a appuyé sur la touche S de son clavier, justement. Il a fait c'est non, dingue. Mais c'est bon, je sais qu'il y a le taxi qui va venir me chercher. De toute façon, je l'ai payé à 10 000. La confiance totale de la part d'Ackerman. Il avait bien sûr pas son ultimate ici. Bon, ça ressemblait un petit peu à un manque de respect, j'avoue. En tout cas, moi, je l'aurais très mal pris personnellement. Merci à Mort, hein, Pakigai, bien sûr, qui est toujours là dans le bush, wow. Comme vous avez pu le constater. Vassili qui était en Q-spell. West Rise, level 10 contre level 8, mais c'est la double. Attention, Mort qui a mis un très beau grab et ça va être la mort. Évidemment, du côté ouais. Le Grand Slam fait quand même très très mal au niveau du DPS et peut-être que les creeps vont faire la différence. Mais bon, il faudrait pour ça qu'ils mangent pas mal de stéroïdes et qu'ils fassent beaucoup plus mal à Vassili ici. Les LMQ qui concrétisent leur 7ème kill et qui viennent maintenant à 6500 gold. Oh, Robert Xil sort d'invocateur. Ils sont en 2v1 contre Ackerman actuellement. 3v1 encore une fois contre Ackerman. Est-ce qu'il y a le Thresh qui est en train d'arriver? Non, oh, Robert Xil, il est sur la top lane. Attention, Broken Shark qui a pris énormément de points de dégâts. Oh, Ackerman qui va peut-être faire un kill. Qui arrive à défendre contre 3 personnes pendant ce temps-là. Oh, Ackerman est en train de push. Top lane, c'est en train de push. La game est loose complètement du côté de les complexités. C'est la merde. Aucune tower, on n'arrive plus à tuer Ackerman qui a un bon chic et un sabre vicié. 3-0-1 dans cette game.
Anciennement Godlike, il nous fait la game actuellement justement dans ce deuxième match, deuxième semaine de LCS. Il a pas fait des plays individuels de malade quand même. Mais il sent bien vraiment le montant de dégâts voilà, qu'il va pouvoir justement subir tout simplement avec le stuff qu'il a actuellement. Et il arrive à bien bait justement et à bien bait tous les CD, tous les dégâts. Il n'y a pas de panique vraiment, il sait très bien que le sang froid. Voilà, il y a une rotation comme ça. Il sait qu'il y a un heal de Soraka qui peut arriver éventuellement. C'est ce qui s'est passé ici, bottom lane. En gros, il était là. Bah, pourquoi vous focussez? Je sais très bien que vous n'arriverez pas à me tuer, messieurs Complexity. Et pour le moment, bah, 3-0-1, Banshee, Sabre Vicié, une machine. Une game qui se passe plutôt bien pour une Shyvana. On n'a pas encore le bâton séculaire hein, du côté de Kassadin. 104 CS, on est en retard de 60 bien sûr contre une Soraka qui a uniquement pushé sur un middle lane. Elle n'a pas décalé, elle a même utilisé son ultimate tout à l'heure justement je crois pour sauver Ackerman si je me rappelle bien. On a la BRK qui est revenue actuellement sur Twitch, on n'a pas encore la BRK sur Shyvana mais ça ne saurait tarder. Wexiao qui s'est fait prendre à partie par Broken Shard mais il y a 3 levels de différence tout de même. Westrise qui vient d'utiliser son sort téléport sur la Pink Ward justement, un beau waste de sa part, mais... Et oui, un beau waste de sa part, puisque ça n'a même pas été cancel de la part de Ackerman. Même pas. Il a complètement no care là-dessus. Il se prépare pour le Drake sans aucun souci. Et même à 50% de points de vie, Ackerman qui reste autour de ce dragon. Oh là là, qui d'ailleurs part au fight. Oh, et... le jump de la déchéance de la part de Robert XT et le backup planté. Oh, très bien l'ulti de la part de Westrise tout de même. Peut-être une bonne contre-attaque du côté des complexités. On va voir comment ça va se dérouler. Mais non, Robert XT est beaucoup trop low HP. Ils sont 3v3. Beaucoup plus de puissance d'attaque du côté des LMQ qui vont pouvoir concrétiser au final un kill. Mais c'est un Drake sécurisé normalement. Un kill du côté de la Shyvana qu'on a réussi justement à interrupt. Il y avait eu une belle lanterne à la part de justement du Thresh. Ouais. On s'était envolé en forme de dragon. On avait pris la lanterne, on avait mis pas mal de dégâts. On avait réussi à créer vraiment l'anarchie dans le team fight. Joli flanker de la part de Westrise, mais exactement, Malphite qui était intervenu au bon moment. Il est intervenu au bon moment, mais regardez, on en est ici. On a eu un triple ulti de la part de Malphite. Et finalement, la seule personne qui est morte, c'est la Shyvana qui a initié un team fight en 1v3 à 50% HP. Donc du coup, bon. On est plutôt sécure. On est plutôt clairement sécure, bien entendu. Vassili qui vient de prendre un kill au passage sur Proly. Ah, d'accord, très bien. Donc Proly, ils étaient en 1v1 sur la. Alors attention, normalement, c'est bon. C'est bon, on le rappelle, ça passe. Il s'est pas bourré. C'est bon, le kill a été récupéré sur mort. 1-1-7 hein, du côté de ce trait justement de la part de LMQ. On regarde le kill sur Proly qui a été pris à part. Oh non, mais il a pété un câble. Il a pété un plomb. Proly qui fait ici un play un petit peu questionnable quand même, à partir en mêlée sur un Twitch. Chaotique. Hein. Partir en mêlée contre un Twitch qui a encore son ultimate et qui a encore sa BRK. Enfin, il voulait bait pour Malphite certainement, mais il avait pas son ulti. Oui, Malphite, voilà, donc bait quoi il a grid sur les creeps, je pense. Est-ce que c'est aussi bête que ça vraiment? Mais j'ai l'impression. J'ai l'impression. Ah, j'ai l'impression, on a vu des grosses erreurs en OGN d'ailleurs sur la première game, on s'en rappelle, on avait Monte Cristo qui l'avait d'ailleurs souligné que c'était pas des games parfaites qu'on avait vu durant la finale OGN. Et là sur ce genre de move, eh ben, on peut se dire que c'est une grave erreur, une erreur. C'est une erreur que quand même pas mal de joueurs ne feraient pas. Oui. Voilà, on parle quand même de Dashin sur un carrière des feed. Ah bon, c'est bizarre quand même. Le mec, il avait son flash, je voyais bien le genre de play ce qu'il voulait faire, genre ouais je prends les CS avec mon Rift Walk, ensuite je flash out. Bon, péter un flash pour deux creepcasters quand même, faut pas. Ça manque de gold hein, du côté des complexités. Ça manque clairement de gold, donc commence à se demander où est-ce qu'on peut farmer. Et regardez ici les LMQ qui avancent à 4, les LMQ qui sont exposés mine de rien, puisque là on a Xiao et Xiao qui est sur son buff bleu en train de le soloter. Certes, il est présent virtuellement avec son wish, avec son souhait, avec son ulti, mais ils sont 4 les LMQ actuellement. Ils sont vraiment 4. 7500 gold pour Xiao et Xiao. Celui qui a le plus de gold, bah, je vous le donne en 1000, c'est Ackerman. 171, 210 CS. 3, hein. 1. Il essaie, 3 il essaie de péter record. Au niveau des statistiques, et peut-être. Enfin, record en tout cas pour LCS NA. Peut-être un record qui est à sa portée, justement. Xiao et Xiao, qui avait justement eu un record, tu m'avais dit. 30 Alors, minutes. C'était. Non, 23 minutes. 23 minutes. Attendez, ici, le fight initiation de la part des cons. C'est désengagé. Waouh, oh la Zizou. La Zizou d'ouf. Désengagé du côté de No Name. Oh non, ça passe, la machine. Attention ici, l'unstoppable force de Malphite en mono-cible sur une Elise. No c'est name, pas forcément no l'idéal no ici. Et on a un Vassili qui est complètement free DPS. Le grab sur Broken Shard qui die. Ackerman en plein milieu. Le burnout qui crame. On a le souffle par-dessus Robert XT. Le Q-spell, le refresh, énormément de damage. Jolie route quand même de la part de Boubadoub. Et mort et Vassili qui n'en ont pas terminé. L'embouche qui va arriver sur Robert XT. Attention au grab et le grab qui est évité. Fort heureusement pour les survivants, aussi peu qu'ils soient.
de la line-up Complexity. Eh ouais, à la 20ème. La base. 20ème minute de jeu, nous sommes à 12 000 goals de différence entre les deux équipes. Que se passe-t-il avec cette équipe des LMQ qui sont en train de vraiment snowball, de stomp ces petites équipes des LCSNA? Beaucoup trop fort, mon cher Twix. Et beaucoup trop rigoureux. Beaucoup d'erreurs quand même du côté de Complexity et une composition qui n'est pas terrible en fait. Un Somalfit n'a pas d'intérêt. Alors qu'une très bonne composition du côté des LMQ. Réfléchi en tout cas. Très réfléchi. On a Soraka qui débuff résiste magique en zone pour Elise, pour Shyvana et pour Soraka elle-même. Et de l'autre côté, bien évidemment, puisqu'on a un focus qui normalement va être porté sur Soraka, que voilà, beaucoup trop d'utilité, beaucoup trop d'impact en teamfight, eh bien on a un Twitch qui est quasiment free DPS, et quand bien même il y aurait un focus sur le fameux Twitch, eh bien il y a le supporting de Soraka plus une lanterne par-dessus. C'est une composition assez équilibrée ici avec frontline, transition middle avec la Soraka qui rejoint la frontline et qui peut éventuellement backup dans la backline justement avec Vassili est mort, et derrière on a un Twitch qui est en train de bourrer. Le Twitch qui va bourrer. Regardez son stomp 5-0-3 BRK, le statique. On a une pioche qui a été achetée. J'ai une petite question. Tu as éclairé ma lanterne, bien sûr, comme dirait Tresh. Sur Vassili, sur le Twitch. Donc justement, on n'a pas de dégâts magiques, que ce soit sur le passif, sur le E, On a des dégâts bruts et une explosion de dégâts physiques. On n'a rien donc en dégâts magiques. Bah non. Bon, c'est dommage. Voilà, c'est tout simplement dommage. Voilà, merci de ta réponse, mon cher Twitch. Mon cher Twitch. E avant était magique, en dégâts magiques. Était magique à une très longtemps à l'époque, mais il est passé physique il y a pas mal de temps. Okay. À moins que je dise une énorme connerie, mais il me semble que c'est physique. Très bien, je ne pense pas que tu dises des bêtises, mon cher. 12 000 goals d'écart entre les deux équipes, 22e minute de jeu, 12 à 3, 6 towers à 0. C'est imperfect hein, au niveau des towers que sont en train de réaliser les LMQ. Justement, on est sur la bottom lane en split push entre guillemets, mais il va falloir plus d'une personne pour pouvoir contrecarrer les plans de Ackerman hein, de prendre cette tower. Level 14, certes un seul level de différence, mais regardez son stuff. On a la Berka, on a la Banshee, on a les bots rang 2. On a deux personnes, on a Proly, on a Westrise. On a l'ulti de la part de Westrise, on ne l'utilise pas. Pourquoi? Bah parce que middle lane est en train de se passer du grabuge. C'est inhibiteur qui est en train de se faire Westrise qui s'est fait grab de la part de Mort qui ne va pas pouvoir s'en sortir peut-être. Où est-ce qu'il peut ulti, Somalfit? Où est-ce qu'il peut ulti? Tout le monde est spread. Il ne peut rien faire. Westrise qui court tout simplement dans le fight. Obligé de dash out pour là pouvoir s'en sortir. Là il peut ulti, c'est maintenant l'ulti. À part ça, il n'y a pas d'opportunité. Et c'est fini donc au niveau de la contre-attaque du côté des Complexity. On prend l'inhibiteur facilement du côté des LMQ. On pourra rotate sur la tower bot si on a envie. On pourrait faire le Nashor aussi. On a 14 000 gold d'écart. On va essayer de finir à la cave le plus rapidement possible tout simplement du côté de la composition chinoise. Encore une fois, beau teamfight on va dire, tout simplement trop feed, trop d'avance. Trop feed, trop snowball et là une composition qui marche tout simplement. Alors que du côté bien sûr des Complexity, on est plus dans le hold-up de thunes. Attention ici, roi de la pop, des pop, oulala, il a tapé le mur un petit peu comme Interville. Oh là là, et bien là je pense que c'est les deux qui meurent. Robert Exley va die. Oh, meurt. Triste. Bien sûr, et toute la foule qui l'acclame. Regardez-le justement sur la petite caméra. Le petit hochement de tête, genre, mais non, mais c'est n'importe quoi ce héros. Ackerman qui se fait prendre à partie 2v1. Oh là là, l'ulti de la part de Westrise. Est-ce qu'il va pouvoir s'en sortir? Il a bientôt son ulti. On pourrait croire, bien sûr, à l'espoir. Au believe. Et non, ça sera tout de même un kill récupéré du côté Mort, de l'équipe américaine. Mort qui se fait chase par Proly et Boubadoub juste à gauche. Et pour revenir sur Robert Exley, il pourrait très bien se dire que ce héros c'est n'importe quoi, mais les LMQ l'ont piqué en quatrième. Exactement. Il n'y a juste pas d'excuse. Lucien a été piqué avant. Voilà, Lucien a été piqué avant. Donc pour le coup, là, c'est un pic quand même bizarroïde. Hein. Pour le coup, c'est Twitch, c'est trop fort. C'est un peu cassé en ce moment. Mais hein, c'est complètement. Bien sûr. Moi, je vois dans toutes mes games actuellement, bon, soit s'il n'est pas ban, il va n'importe où. Middle, jungle. C'est ça, les personnes qui se déplacent un petit peu de manière solo, bah, elles se font assassiner par Twitch. C'est aussi bête que ça. Ou le flash-in quand même, peut-être, non, pas du tout overreact, ouais. En fait, de la part de Mort, il était nécessaire. Il y a eu un très beau cocon. Hein. Ouais, il y a eu un très très beau cocon ici. On voit le zoning autour du Baron Nashor. Une, deux, Pink Ward posée précédemment par les LMQ. Et du côté de Vassili, pas l'impression qu'on échappe encore. On a toujours BRK, Static, Pickaxe. Et je oui, pense un, que là il va aller chop avec les goulems. Et il va finir avec IE en fait. IE directement. Je pense qu'il a IE. Alors, Vassili IE avec un 6-1-3 avec son Twitch. Est-ce qu'il pourrait pas nous faire un pont kill justement dans cette partie? Il nous a fait déjà deux très bonnes games, Vassili. Hein, difficile avec Malfit. Très très difficile de réaliser le pentakill avec Malfit. Puisque il y a de l'armure. Faire un pentakill, ça veut dire être présent non, sur toutes les exécutions. Oh, la Swisper.
Bon, avec l'armure Kamalfit, ça se comprend. Ça peut se comprendre. On a de l'armure aussi un petit peu hein, sur le Kha'Zix. Sinon, on n'a pas d'armure sur aucun autre champion, bien sûr, à composition. Il doit avoir des boules, quoi. Complexity, il doit avoir des boules, tu penses encore? Oh, il a fini de la Whisper tout de même, hein. Ça coûte un petit c'est peu d'argent. C'est vrai qu'il est qu'à 166 CS quand même, Vasily. Il a pas mal roam. 56 CS de différence hein, par rapport au Lucien. Ah ouais, il s'est fait plaisir. Mais par contre, au niveau de la mid lane, là, c'est le scandale total, hein, bien évidemment. Oui. On est quand même sur du 300 CS à la 26ème. Bon. Normal, 153 du côté du Kassadin, le bâton séculaire, premier item c'est cool. Trois items hein, du côté de la Soraka avec un Randuin, un Rayleigh, un Grain Limpide d'Athènes. La première tour du côté des complexités, ah non c'est la deuxième. Excusez-moi justement, je croyais que c'était la première puisque tout le public a tapé des mains et tout. Est-ce que c'est seulement les creeps qui l'ont pris cette tour? Ouais, bien joué du côté des complexités. Oh, téléport de Shyvana sur le flanc ici. Oh pauvre Boubadoub. Qu'est-ce que là, tu vas bien pour nous faire ici? Tu peux très bien flash out. Hackerman qui n'en a pas terminé, il veut terminer son petit kill. Le flash out, il revient dans sa formation un petit heal de Soraka maintenant. C'est très bien joué ça de la part de Hackerman Westrise qui est obligé de mettre son ulti pour essayer de mettre quelques dégâts, pour essayer de temporiser un petit peu, mais c'est bien sûr pas suffisant. Son équipe avait backup avec la mort de Boudabou assez tôt dans le team. Il a une fâcheuse tendance à téléporter en étant mi-HP Hackerman quand même. C'est la deuxième fois qu'il rentre dans un fight où il est pas full life. Et ça n'a pas l'air de lui poser de problème, en tout cas dans cette partie-là, ça ne lui en pose aucun. Après, est-ce que c'est lui ou est-ce que alors, c'est la partie? Alors attention, Pro Lille, le silence directement en plus avec le Rayleigh très rapide. Il fait no damage le pauvre. On a le Q-spell ou Xiao qui n'arrive pas à perdre de points de vie. C'est... Oh le triple kill de la part de Xiao, et Xiao peut-être, Broken Shard qui flash out. Le Rayleigh qui touche encore. Oh, le poison. Oh kill, my god, trop dommage. L'ulti ça ne sert à rien contre le poison de Twitch, c'est du dégât brut. Et les LMQ qui viennent maintenant de terminer leur troisième victoire d'affilée dans ces LCS NA. Attention, 3-0. Les LMQ, si vous les avez dans votre Fantasy League, c'était la bonne pioche. Nous on les a donc c'est... Là pour les Hackerman, attention tout de même, hein, qui va peut-être mourir. L'envol du dragon pour pouvoir s'en sortir. Le heal de la part d'Asoraka, les deux heals de la part d'Asoraka. Pro Lee qui s'est fait silence. Et vous avez vu Westerice qui va juste prendre un petit kill. Très beau coco. La mort. Hop, la mort. La mort par les étoiles. La mort par les étoiles de la part de Xiao. Xiao kill. No Name qui va réussir à s'en sortir. Boudabou très low HP avec juste quelques Q-spells de la part d'Asoraka. Quelques étoiles qui sont tombées sur sa gueule. Un nouveau grab de la part de mort. Un double flay. Va y avoir de nouvelles morts normalement du côté des complexités. Et oui, double God. Kill du côté de Vasily. On joue la Fantasy League actuellement du côté des LMQ. Et là, on a un Vasily à 10-1-5 tout de même. Un Xiao et Xiao à 1-0-12 et plus de 300 CS. Et le but du Real en même temps. Oh my god. Bon, les LMQ qui ont totalement roulé sur les Complexity. J'ai envie de dire, comme prévu, les LMQ, sérieux prétendants au top 4, au top 3, et peut-être même au top 2 et au top 1. On verra leur confrontation contre les C9 et les TSM. Ça ne sera pas ce sera demain. Ce sera demain, normalement. Demain, normalement, ça promet du gros jeu. Ça sera leur dernière game au LMQ aujourd'hui, si je ne dis pas de bêtises. Nous allons bientôt suivre avec le débrief des analystes pour revenir sur cette game. Ça sera rapide, j'imagine. J'imagine qu'il n'y aura pas beaucoup de moves. 20 minutes de jeu, quasiment 25. Victoire de LMQ sans surprise donc. On va revenir sur la Clipsea TV dans quelques instants, les amis. On se retrouve donc dans 6 minutes après la page de publicité. A tout de suite sur Eclipsea.